Le temps de retourner une dernière fois à Chastavel, où on retrouve Grégoire Taubes. Je crois que le match est terminé, Grégoire. En effet, Vincent, voilà. Le sifflet a retenti il y a quelques minutes ici à Chastavel. Et ce sont les Chavanois qui l'ont emporté sur un score de 5-3. Un retournement de situation tout à fait étonnant, car je vous rappelle, les All White de Chastavel menaient par 3-2 à la mi-temps. Mais un coup franc, un pénalty et surtout la sortie sur carton rouge de deux joueurs de Chastavel ont permis au FC Chavannes Préjonction de revenir au score et de remporter la victoire. Alors je crois savoir qu'il y a un joueur qui est avec vous de Chavannes Préjonction, c'est ça? Effectivement, ouais. J'ai réussi à attraper le jeune prodige Aloïs Pittet. Bonsoir Aloïs. Ouais, bonsoir. Ah, vous êtes content, hein? Ah ben tu peux y aller, on n'en peut plus de jouer. La grosse couleur ami FC CPG, ouais, hey, voilà, ouais. Ça fait plaisir, hein. Les voir comme ça éructer de la sorte. C'est aussi ça, Vincent, l'esprit du foot. Oui. Hein. Cette joie d'avoir explosé l'adversaire, de leur avoir mis une méchante dans la figure. Ah. Oui, bravo. Merci, merci, mais on y a toujours cru. Et à la mi-temps, l'entraîneur est venu dans l'équipe, il nous a dit... Les gars, on y fout à fond d'acouet. Ah ouais. Et on y a foutu. Ah et bah il est parti voir l'arbitre avec une valise. Et voilà, 5-3, FC, CPG. Félicitations. FC, CPG. Oh non, bravo. Aloïs Pittet, un petit peu sérieux quand même un moment. Vous avez à peine 21 ans. On parle beaucoup de vous, de votre jeu offensif impertinent, de votre vivacité sur le terrain. Ouais, votre je suis un tout bon. Ouais, voilà. Comment ça se fait que vous soyez toujours dans un club comme Chavannes Préjonction? Un joueur de votre qualité, non, mais il devrait être Super League, non? Ouais, possible. Mais vous avez pas été repéré quand vous étiez junior? Si, quand j'avais 10 ans. Mais mes parents ont toujours refusé que je fasse du foot. Ah ils ont voulu que je fasse chirurgien, comme mon papa. Donc je suis obligé de faire des études de médecine. Ouais, mais ça c'est dommage. C'est pas possible de concilier les études et puis le football. Ah si, mais pas en Super League. Alors voilà, moi je cultive mon cortex plutôt que mes quadriceps. Ouais, bon, ben, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Non, mais de toute façon, l'année prochaine, je vais devoir complètement arrêter le foot parce que je vais commencer un nouveau cursus à l'EPFL en physique nucléaire. Ouais, non, mais là, c'est vraiment, vraiment dommage. Si vos parents vous avaient laissé faire du foot à 10 ans, mais aujourd'hui, vous serez peut-être une équipe de Suisse avec une grande carrière internationale devant vous. Puis là, vous gâchez votre talent, je suis désolé de le dire. Vous gâchez votre talent, franchement. Oh, mais... Non, mais Vincent, le monde a-t-il besoin de plus de médecins, de docteurs en physique nucléaire? Moi, je vais vous le dire, je suis outré. En plus, je gagnerais nettement mieux ma vie en étant joueur international qu'en étant chirurgien. Ouais, ça, c'est possible. Et je pinerais beaucoup plus. C'est possible aussi, évidemment. Mais cessons de broyer du noir. Place à la nièce, parce que ce soir, Aloïs, il faut le dire, vous avez gagné. Oui, c'est vrai. Ouais, alors, c'est parti, vous allez fêter ça maintenant comme un vrai footballeur. Oui, c'est vrai, avec de la coke et des putes. Exactement, voilà, ça fait plaisir, Vincent. Je vous rends l'antenne sur ces images de bonheur. Oui, le football, hein, quelle que soit la division de laquelle on le joue, eh bien c'est avant tout un sport pratiqué par des jeunes réalistes qui ne veulent ni changer le monde ni même le comprendre et qui rêvent juste de gloire, de coke et de pute. Très bien, voilà. En direct de Chastavel, c'était Grégoire Taubes. À vous les studios, je mets. Bonne soirée, merci Grégoire, nous sommes...